Je m'appelle Maria Victoria, j'ai 16 ans et je viens de Rome. Maintenant, je suis en échange à la Perverie et je vais vous parler de l'emploi du temps. Quand je suis arrivée ici à la Perverie, ils m'ont donné la possibilité de choisir les matières, comme ça que je pouvais suivre quelque chose qui m'intéressait. Moi, j'aime plutôt les matières d'humanité, donc j'ai choisi philo, SES et histoire géo. Après, j'ai pu voir comment ils étudient les langues ici et les différences avec mon pays. Et en plus, j'ai participé à des leçons d'italien pour voir comme les autres gens apprennent celle qui est ma langue. Pour ce qui concerne les horaires, c'est très différent parce que ici, je peux par exemple sortir pour manger, mais les journées sont beaucoup plus longues qu'en Italie. Et toi? Bonjour, je m'appelle Maria Serrano, je suis un étudiant d'échange de Séville et je vais parler sur une visite que j'ai faite avec ma famille française. Le week-end dernier, nous avons visité le Mont Saint-Michel. Nous sommes allés à Buitouk parce que ce n'est pas loin de Nantes. Le Mont Saint-Michel, c'est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai 16 ans. Et l'accueil de ma famille, c'était magnifique. Et je me sens comme si j'étais une de la famille. Et ils étaient très attentifs et ils m'ont montré des lieux de la culture et de la grande variété de la nourriture française. Et au début, j'étais très nerveuse parce que je n'ai jamais été en échange, mais maintenant, je ne veux pas revenir en Espagne. Bonjour, c'est Thélia et je suis ça. Et ça fait 3 semaines que j'arrive ici. Au début, j'étais très nerveuse parce que je ne savais pas comment serait cette expérience. C'est la première fois que je vais en échange. Et pour moi, ce qui était plus difficile a été l'intégration à un nouveau pays avec une langue différente et connaître une nouvelle personne. Mais grâce à ma famille française, ça a été plus facile. Et toi? Bonjour, je suis Rocío, j'ai 15 ans et je vais vous parler sur une visite que j'ai faite pendant le temps que j'étais ici à Nantes. Tout d'abord, je dois dire que j'ai visité beaucoup de choses, mais ce que j'ai pu faire, c'est un petit village qui s'appelle Chouetmont. J'ai été avec ma correspondante et ses amis et nous avons traversé en bateau. Une très agréable journée et incroyable de voir des maisons très colorées. Bonjour, je m'appelle Eduardo, j'ai 17 ans et je viens de Rome. Maintenant, je vais parler de la cuisine française. La cuisine française en France est très différente de la cuisine de notre pays. La cuisine est très bonne. J'adore les crêpes avec du Nutella et les galettes au jambon. En France, à la fin du repas, on mange souvent en dessert. Ils sont très bons. Jusqu'à maintenant, j'ai mangé le macaron et le tartare. Bonjour, je m'appelle Candela et j'ai 16 ans. J'habite à Séville et je viens d'arriver en France. De cette expérience, je voudrais sortir enrichi. J'aimerais apprendre beaucoup de français, comprendre les traditions de France et aussi profiter de mon séjour avec ma famille française.